Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour un petit moment ensemble. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que je fais pour me purifier. Purifier de mes propres énergies négatives, des énergies négatives que j'ai pu recevoir, des personnes que j'ai pu rencontrer dans la journée, des endroits dans lesquels j'ai pu aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours se protéger, mais pour tous ceux qui font des métiers en relation avec les autres, hein, des gens qui sont dans la peine, dans le chagrin. Alors, je pense aux infirmières, par exemple, à tout le monde médical. Je pense aux assistantes sociales. Je pense à tous ceux qui s'occupent des personnes âgées, etc. Enfin, bon, tous ceux qui ont besoin. Et puis des gens comme moi qui font des guidances, entre autres, des massages, etc. Il peut nous apparaître nécessaire à certains moments, bah, de purifier nos lieux, puis de nous purifier nous-mêmes. Alors moi, j'ai quelque chose que je fais tous les jours et que j'essaye de dire à toute personne que je peux rencontrer et qui est en possibilité d'entendre mes paroles, c'est les lunettes. On les nettoie tous les jours, bien évidemment, et nous sommes nombreux à en porter. Et les lunettes, si on n'y prête pas l'attention, eh bien, elle peut elle-même être chargée de négativité. Et imaginez, si nous-mêmes, nous avons reçu de la négativité ou que nous sommes nous-mêmes dans la négativité, plus nos deux carreaux qui ont été chargés, quand on les met, schlac, eh bien c'est fois 4. C'est fois 4 pour les mauvaises pensées, c'est fois 4 pour la tristesse, c'est fois 4 pour le poids sur les épaules. D'où l'importance de les nettoyer avec intention. Et je dirais que c'est le mot qu'il faut retenir pour tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, là présentement, dans ce que je vous propose. L'intention qu'on met dans chaque chose qu'on veut réaliser. Donc là, par exemple, c'est ressortir sa lumière, hein, c'est ressortir son amour. Et déjà, ça évite l'ombre qu'on peut se mettre nous-mêmes autour de nous. Passer cette lunette sous l'eau, alors du robinet, hein, mais avec l'intention d'amour de les nettoyer. Et donc de les nettoyer avec les doigts, avec beaucoup de lumière, les montants aussi, les montures, hein, en répétant trois fois, je te nettoie de tout. Quand on les met, eh bien, on a l'esprit clair, parce qu'elles sont claires, les carreaux sont clairs, l'esprit clair. Ça peut paraître bizarre, mais en même temps, si on essaye d'aller plus loin dans notre réflexion, si on peut penser que des entités peuvent se mettre sur nous, pourquoi ne pas penser que la négativité peut se poser sur nos carreaux? Et vous imaginez, hein, ce que je vous disais, hein, c'est fois 4. On peut le reconnaître parfois quand elles sont chargées. On va pas trop mal, hein, tu vois, on a passé une bonne journée. Voilà. Et puis à un moment donné, on en a besoin pour de la lecture, hein, généralement. Et bon, voilà, je les mets sur mon nez. Et si elles sont chargées, en très peu de temps, les mauvaises pensées me viennent. Alors sur moi, par exemple, d'un moment à un autre, mon attitude va changer. Je vais m'en sentir plus grognon, je vais avoir envie de râler. Ou, alors moi c'est un truc qui est qu'un point de repère, je me fais un scénario, mais pas le scénario de Blanche-Neige et les sept nains, hein, pas du tout. Non, un scénario de je me vois face par exemple à mon fils, mon ado là, à lui dire oui, mais ça va pas, gna gna gna. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, je sais très bien que c'est pas comme ça qu'ils vont engager une conversation. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes lunettes, elles peuvent être chargées. Donc, si on peut le faire, alors autant de fois qu'on veut, hein, moi je dirais comme le brossage de dents, hein, minimum deux fois, le matin et le soir, hein, eh bien, on se protège de cette négativité qui peut se poser n'importe où. Je dirais, il faut pas avoir peur de cela. Parce qu'en toute logique, si nous sommes lumière, et nous sommes donc dans notre éveil spirituel, si vous nous suivez, on est lumière. Et on peut difficilement nous atteindre. Des entités, j'en ai régulièrement avec les personnes que je peux rencontrer. Hein, ça peut être le papa qui est venu juste pour voir si sa fille est en bonne main.
par exemple. Ou ça peut être quelqu'un qui est parti et qui veut faire ressentir sa présence. Ben, vous comprenez, c'est pouvoir ressentir, on a cette faculté, hein, tous, hein, de pouvoir écouter notre corps. Et comme, hein, c'est un livre ouvert, notre corps, il nous parle tous les jours, de par ses mots et ma UX, écouter justement et pouvoir se dire, bah, tiens, il faut que par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui, il faut que je me purifie. Mais, je persiste à dire, si on est lumière, il est très difficile à une entité de pouvoir se positionner sur nous. Elle peut pas s'accrocher, on est lumière. Si nous nous raccrochons toujours à ce « je suis divin » que nous avons en nous, en se répétant des petites phrases toutes simples, hein, « je suis lumière, je suis amour, je suis présence divine, je suis fréquence du Christ », rien que ça, déjà, ça nous connecte directement avec la source qui, elle, est toujours présente. Donc voilà, l'importance de nettoyer ses lunettes, hein, pour commencer une bonne journée et pour bien la finir. Parce que si nos lunettes se sont chargées dans la journée et que dans notre lit, qu'est-ce qu'on fait dans notre lit, hein, le dernier moment, c'est quoi? On prend notre téléphone et on regarde si on n'a pas un message, par exemple. Entre autres, ou alors ceux qui ont de la chance et bisous chérie, allez on tourne le dos, mais pas les lunettes, ok. Mais ceux qui mettent leurs lunettes, vous imaginez que si elles ont été chargées dans la journée, vous vous endormez avec cette dernière action que vous avez posée sur votre corps, sur votre visage, devant vos yeux, eh bien, la possibilité d'avoir 4 fois cette charge négative. Un point, ça, c'est, je pense, le plus important, tout en pensant que on n'a rien à craindre parce qu'on est lumière. La deuxième chose très importante pour moi, c'est le lavage des mains. Quand vous avez rencontré des personnes négatives, quand vous avez fait des massages, quand vous avez fait des guidances, etc., enfin bon, bref, par rapport à votre métier, d'aide à la personne, hein, de toute façon, c'est cela, eh bien, bien se nettoyer. Mais on va aller jusqu'au coude. Et oui, quand on a quelqu'un de forcément très en colère en face de soi, ou qu'on puisse avoir... pris des énergies très 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 émotives de la personne qu'on a en face de nous, il est nécessaire de bien se laver jusqu'au coude. Voilà. Et tout cela toujours avec l'intention d'amour, hein, de se purifier. Et je me nettoie de tout, tout cela 3 fois. Je me nettoie de tout, je me nettoie de tout, je me nettoie de tout. Je suis donc purifiée et je peux repartir à mes occupations. Alors, le savon est nécessaire là, et je vous dis, l'intention, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Vous voyez, je dis le savon, c'est vrai, parce que si on peut vraiment tout passer, mais l'intention des mains, quand on est dans notre divinité, elle peut même être, je pense, suffisante. Ça, c'est les choses importantes quand on rentre chez soi. Allez, on se débarrasse de tout ce qu'on a eu dans la journée, et on frotte. Je me sers également beaucoup de la coquille Saint-Jacques. Alors, je le dis à tout le monde, hein, parce que c'est gratuit. La coquille Saint-Jacques. Alors moi, elle vient de la mer. C'est vraiment l'élément purificateur en premier pour moi. Elle vient de la mer. Ça en dit long, hein, pour tous ceux qui vivent en conscience et qui... découvre d'où nous pouvons venir et par toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Donc, aucune nécessité de purifier une coquille Saint-Jacques. Aucune. Elle est purifiée par elle-même, parce qu'elle vient de la mer. La coquille Saint-Jacques, elle me sert à... j'en ai une dans ma salle de bain, par exemple. Elle me sert à purifier mes bijoux. Tous les soirs, mes bagues, mes boucles d'oreilles, mes colliers, je les mets dans ma coquille Saint-Jacques. Il faut savoir que cette partie droite, là, il faut trouver le nord magnétique. Voilà, pour cela, il faut avoir l'outil nécessaire. Moi, je ne l'ai pas. Donc, j'ai trouvé le nord, c'est déjà pas mal. Le nord, pour moi, il est là. Donc, je positionne, je ne sais pas si vous voyez, oui, ma coquille Saint-Jacques comme cela, avec mes bijoux dedans. J'en ai une également sous mon lit, toujours côté nord. Ça permet d'alléger le sommeil et de pouvoir dormir sereinement.
C'est un aliment protecteur et pour moi l'un des meilleurs. Donc j'en ai une dans ma salle de bain pour mes bijoux, j'en ai une sous mon lit pour avoir un sommeil réparateur hein, et me permettant voilà, de pouvoir évoluer spirituellement de par les, on va dire, les apprentissages des maîtres spirituels que nous pouvons avoir hein, autour de nous. Et elle me sert également, elle peut purifier des lieux. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un lieu qui est chargé, vous pensez qu'il y a une entité dedans, ou que voilà, il y a de la négativité. Vous positionnez toujours côté droit, face nord, aux quatre coins de la pièce, et vous mettez un petit peu d'eau dedans. Cette eau, vous la laissez s'évaporer. Ça va prendre plusieurs jours, mais sachez qu'une fois que l'eau est évaporée, vous pouvez remercier. Votre pièce est pure. Elle est, les énergies négatives se sont évaporées, tout comme l'eau. Ensuite, la coquille Saint-Jacques, on la rince à l'eau elle-même. Et toujours avec l'intention. L'intention de faire les choses avec l'amour, avec le cœur. Voilà pour la coquille Saint-Jacques. C'est un porte-bonheur également. Quand j'en ai envoyé une à ma fille, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a mise comme ça dans une de ses étagères avant de lire à quoi elle pouvait lui servir. Mais c'est un porte-bonheur. Vous pouvez en avoir un dans votre voiture pour vous protéger. Enfin, moi, j'y crois dur comme fer, la coquille Saint-Jacques, c'est vraiment l'outil de purification et de résurrection. Hein, la résurrection signifiant retour de la mort à la vie. Donc on se décharge de toute cette négativité grâce à cet outil de la mer hein, qu'on a pu trouver sur la plage, gratos, hein, je vous dis, hein, mes trucs ça coûte pas cher, hein, ou qu'on a été demandé à notre poissonnier, hein, donc merci à mon ami qui a fait ça pour moi, qui m'en a récupéré tout plein il y a quelques temps. Voilà, je pense, on peut certainement faire tout un tas d'autres choses avec cet outil magique hein, de vie, mais ben voilà, moi je vous ai dit mon petit savoir important. Ne mettez pas trop de coquilles Saint-Jacques dans la même pièce. Là, on a parlé de quatre. C'est pour purifier l'espace. Parce qu'elle amène une énergie. Elle amène des vibrations. Et trop de vibrations tue la vibration. Voilà. Donc, une dans chaque pièce. Pourquoi pas c'est bien. J'en ai dans ma salle de guidance. Ben là, voilà. Et dedans, je mets mes pierres à purifier. Vous voyez, par exemple, là, c'est un œil de tigre, donc pour qu'elle se décharge de sa négativité. Et ce qui est super avec la coquille Saint-Jacques, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Vous savez, vous avez les pierres claires qu'il ne faut pas mettre dans l'eau ni au soleil. Il y a certaines pierres qui n'ont pas besoin d'être chargées, d'autres, oui. Puis du coup, ben, on ne sait plus quoi. Ben, avec elle, vous ne prenez aucun risque. Vous avez le moindre doute, vous laissez passer une nuit votre pierre dedans, elle sera purifiée le lendemain. Et vous le sentez si on apprend hein, à écouter notre corps. Hein. Voilà, on met l'intention de ressentir hein, ce que notre corps nous envoie. Bon, ben là, moi j'ai mes deux mains qui vibrent et j'aime beaucoup. Voilà, pour la coquille Saint-Jacques, je vous la mets là. Donc les lunettes, on n'oublie pas, hein, le plus important. Les bras, les coudes pour nettoyer les mains, se faire. Voilà. Autant de fois qu'on se lave les dents. Ensuite, quand je veux me purifier moi, ou j'ai fait une guidance, c'est que voilà, il y avait une entité qui était là. Souvent, ça arrive. Hein. Eh bien, le soir, quand je vais prendre ma douche, je vais me purifier avec du gros sel. Et moi, je prends du gros sel de Guérande. Le gros sel, c'est pareil. Hein, vous pouvez en mettre dans un petit récipient. À la porte de chez vous. Hein, ça enlève les mauvaises énergies des personnes qui peuvent rentrer. Moi, j'ai également mis un miroir sur le côté. Voilà, c'est tu rentres chez moi, alors ta négativité, tu la laisses sur le palier et tu rentres dans la lumière. Voilà, on se protège tous comme ça. Donc, le gros sel, ben, je procède de la façon suivante. Hein. Je mets du gros sel dans ma dans,
dans ma main et au début je faisais que grosselle. Oh là là, bah non, c'est pas fait pour souffrir de se purifier. Donc je me mets mon gel douche, je mélange tout cela avec intention et beaucoup d'amour et je me nettoie de tout. Voilà, tout comme je fais avec mes lunettes. Je me nettoie de tout, je me nettoie de tout, je me nettoie de tout. Je suis donc purifiée, je remercie et je peux vaquer donc à mes occupations. Donc le gros sel, ça aide aussi à évacuer donc les énergies négatives, les entités. Alors ça peut se voir aussi très facilement, les énergies négatives. On met les gros sels dans un récipient, par exemple comme cela, et on laisse quelques jours. Et si le gros sel devient compact, c'est qu'il a capturé les énergies négatives. Donc de là, il faut l'évacuer, mais surtout ne pas toucher le gros sel hein, qui a pris toutes les énergies négatives. On met les gants et on va évacuer ça dans les toilettes, hein, que personne d'autre ne puisse toucher quoi. Voilà. Quoi d'autre? Ah, ce que j'aime beaucoup aussi, que je fais régulièrement, c'est le Palo Santo. J'aime beaucoup le Palo Santo. C'est un bois qui vient de l'Amérique du Sud, je pense au Brésil entre autres. Et donc, il a une très bonne odeur qui décompresse. Voilà, c'est vraiment un anti-stress, hein. Tout comme la sauge. Hein. Les deux que je vais vous présenter là ont les mêmes vertus en fait. Le Palo Santo, je m'en sers quand quelqu'un vient chez moi, avant que la personne arrive. Voilà, je purifie mon lieu. Je le nettoie de tout. Je le nettoie de tout. Et voilà, j'amène une odeur que moi j'affectionne aussi beaucoup. Mais c'est vraiment un bois qui amène la sérénité et qui évacue ben, les énergies négatives. Il permet de retrouver le calme. Donc en fait, quand les personnes arrivent, eh bien, il y a cette odeur un peu particulière et cette atmosphère justement de calme et de sérénité qui s'est posée dans la pièce où vous recevez les personnes. Quand je nettoie une maison, par exemple, je vais m'en servir pour jusque dans les tiroirs, jusque dans les placards. C'est vraiment aller partout avec cela. Donc vous l'allumez, hein, tout comme la sauge, et une fois que la braise s'est mise, ben, vous arrêtez et vous soufflez comme ça pour que la lumière puisse se diffuser. Alors vous verrez, il aura tendance à s'éteindre rapidement, mais ben voilà, hein, moi j'ai pas trouvé le truc encore. Si vous le connaissez, vous me le dites. Mais bon, on rallume toujours avec beaucoup l'intention, l'amour, de purifier ces lieux, d'amener le calme, la sérénité, l'amour, la lumière, etc. La sauge, donc elle bénit, elle purifie et elle guérit également. Tout comme le Palo Santo, ils ont des vertus de soins. Je sais par exemple que le Palo Santo, l'huile de Palo Santo, aide à la cicatrisation, même intérieure. Et la sauge très certainement aussi, hein, c'est connu depuis tout le temps. Je sais pas si le Palo Santo là... mais la sauge, au niveau de ses vertus, c'est un antiseptique et un anti-inflammatoire. Alors, je pense que pour cela, il faut peut-être la consommer par des infusions. Mais rien que déjà, avec l'intention, en croyant à ce qu'on fait, pouvoir, tout comme le Palo Santo, bénir les lieux. Eh bien, c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire. Nous avons également le bol tibétain. Alors moi, j'adore le bol tibétain. Il a des vibrations qui permettent de rééquilibrer les énergies. Il purifie. Il harmonise, il calme, il déstresse. Il stimule. Il nous amène à un état de bien-être. Moi, j'aime beaucoup le faire lors de massages, même lors de guidance. Pour commencer la guidance et pour la finir.
C'est vraiment merveilleux l'effet que ça peut faire. Et bien rien que ce son, ça rééquilibre les énergies de cette pièce. Et si je veux purifier par exemple mes tarots, mes oracles, mes pierres, mes minéraux, j'en ai tout plein, vous voyez, je peux très bien, j'en ai partout, les clairs et les foncés, je peux mettre, je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas vérifié, bon bref, c'est pas grave. Oui, vous voyez, je peux mettre mes minéraux, hop hop hop, ils sont tous, on met tout plein, je peux mettre mes minéraux autour, je peux mettre mon tarot autour, et là, je le fais vibrer. La vibration rayonne. Moi, bon, je ne vous fais pas trop fort parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas vous casser les oreilles. Bon, moi, j'adore, hein, je kiffe. Et donc, en fait, vous voyez, la vibration. Je peux considérer, en faisant trois fois. Moi, je fais avec le 3, hein, j'aime bien. C'est mon jour de naissance, allez. Trois fois, on peut purifier tout ce qui est autour du bol tibétain. Il chante encore, vous n'entendez pas, mais il chante, il vibre encore. Voilà, je pense qu'il y aurait d'autres choses. Ah ben, la bougie, la lumière, c'est une bougie, c'est génial. Mettre de la lumière dans la pièce où on est, ça nous permet, quand notre regard se pose dessus, de se rappeler qu'on est lumière. On a besoin de petits trucs comme ça, hein, pour pas dériver dans notre monde purement humain. Hein. Donc, voilà, la lumière, les bougies, moi j'aime beaucoup. Je sais que je m'en sers énormément. Et ben voilà, je vous ai présenté comment je fais pour purifier toutes mes... Ben, tout ce que j'aime, quand je pense que l'énergie, ma propre énergie négative a pu impacter mon lieu de vie ou ma personne, les énergies des autres. Et puis j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez des petites clés que je ne connais pas ou que je n'applique pas, que j'ai oublié par exemple. Et comme j'adore apprendre aussi, ben, n'hésitez pas à me partager comment vous faites pour vous purifier. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, ce qui m'a coûté le plus cher, ben, c'est mon bol tibétain. Mais je l'ai à vie. Et le cuivre, c'est vraiment un matériau très divin. Pour ma petite personne, c'est ce que je pense. Voilà, allez, je vais chercher le message des anges pour nous aujourd'hui. Non mais vous avez vu, elle a sauté, hein, non mais regardez, l'ange, bon, je sais pas si vous voyez, bon. L'ange de la guérison. Truc de fou, hein. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est excellent, hein? J'aime beaucoup ces synchronicités. Rien que cela, par exemple, vous voyez, ça me fait vraiment me confirmer qu'on n'est jamais seul. On a des messages, hein? Ah non, c'est celui sur la guérison, alors que je suis en train de vous parler de se purifier plutôt de toute cette énergie négative qu'on peut avoir en nous ou recevoir. Bah, du coup, on va aller chercher un autre message. Je vous garde encore 5 minutes si vous le voulez bien. Et nous allons chercher le message sur notre parcours de la mission de vie. Je suis puissante. Ce que je ne vous ai pas dit aussi avec le Palo Santo, c'est qu'en espagnol, ça veut dire le bois saint. Ça donne toute la pureté et toutes ben, ses vertus et ses possibilités. Et d'ailleurs, quand je fais une purification de pièces, hein, entre autres, voilà ce que je dis. Je purifie ce lieu de toutes les impuretés, de toutes les énergies négatives qui se sont posées et de tout ce qu'il n'y a pas lieu d'être là, entité comprise. Que ce lieu soit nettoyé de tout, nettoyé de tout, nettoyé de tout. Et que la pureté, l'amour et la lumière s'installent. Voilà. Et là, le message de notre mission de vie, ça nous dit,
une idée demande à se concrétiser. Ouais, il va falloir. De toute façon, il faut qu'on avance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dans les starting blocks. Hein. Ça bouge de partout. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Allez, avec un petit coup de bol tibétain. Croyons en nous. Croyons dans le tout. Et osons avancer. Allez, on a trop stagné, hein. Trop reculé, trop stagné. C'est fini les deux pas en avant, trois pas en arrière. On arrête avec cela. Bon, allez, mes amis, j'espère que ça vous aura aidé, pourquoi pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Et puis, je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir.